Chaque jour est une grâce de demeurer dans la parole, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, de Samuel chapitre 6, verset 16, nous y invite. Recevez la parole et soyez les bienvenus. Au moment où le coffre arrive dans la ville de David, Michal, la fille de Saül, regarde par la fenêtre. Elle voit le roi David qui saute et danse devant le coffre du Seigneur. Alors, elle le méprise dans son cœur. Nous sommes à l'instant où David transporte l'arche de l'Éternel jusqu'à Jérusalem afin de le déposer plus tard dans le temple. Le chemin se fait dans la joie. Tout le peuple qui était avec le roi marche au son des instruments de musique. C'est dans le rythme que les gens chantent et dansent. Quand le cortège arrive à la cité, le roi David est en train de danser de toutes ses forces pour le Seigneur, avec une joie extrême. De la fenêtre, la fille de Saül, Michal, regarde David et elle est prise d'un mépris qui remplit son cœur. Une fois l'arche installée sous la tente que David avait montée pour l'Éternel, tout le peuple fait des sacrifices à Dieu. Après cela, David partage et distribue un bon repas pour tout son peuple. Et chacun rentre chez lui. David s'en va lui aussi bénir sa maison. Michal vient à sa rencontre et de sa bouche, elle dit au roi : Tu étais vraiment couvert d'honneur aujourd'hui, toi, roi d'Israël. Tu t'es montré à moitié nu devant les servantes de tes serviteurs, comme un homme sans valeur pourrait le faire. David lui répond : J'ai fait ça pour mon Seigneur, qui m'a choisi et préféré à Saül, ton père. Il lui rappelle que c'est le Seigneur qui l'a mis à la tête d'Israël et que pour l'Éternel, il continuera à lui montrer toute sa joie. Il poursuit : Je m'abaisserai, je me ferai encore plus petit à mes yeux. Et pour mes servantes, je serai honoré par elles. La Bible écrit que Michal est mort sans avoir eu d'enfant. Mes bien-aimés, cette histoire vous est contée pour témoigner des conséquences de la médisance et de l'importance des choix des mots qui sortent de notre bouche. En Jacques 3, 6, il dit « La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. Elle est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. » Dans l'épisode du roi David et Michal, deux passages nous confirment de la parole. Le premier, en Marc chapitre 7, verset 21. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. N'est-il pas écrit « Elle le méprisa dans son cœur » Plus loin, il est écrit que Michal mourut, n'ayant point d'enfant. Sachez, mes frères et sœurs, que lorsque nous médisons, nous maudissons une créature du Père. Michal, en méprisant son épouse, est elle-même malheureusement condamnée. La bouche n'a donné aucune bénédiction. Voici le second passage qui vient confirmer la parole, qui est en 1 Pierre au chapitre 3 et au verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Mais bienheureux, apprenons sincèrement et continuellement à bénir notre prochain. La paix doit être régulièrement sollicitée lorsqu'il y a une dispute dans nos situations du quotidien. Ne laissons pas installer dans nos cœurs de mépris, de rancune, de colère ou de frustration. Lorsque nous bénissons, la bénédiction nous revient en retour. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Mes frères et sœurs, recevez l'Esprit Saint de notre Père et soyez magnifiquement bénis dans le nom de Jésus.